Donc, je vais vous lire un extrait de Un bref moment d'héroïsme, qui est mon cinquième roman, où il y a des activistes politiques font des happenings, des performances dans l'espace public pour empêcher les politiques de s'exprimer, où mon personnage principal tente de sauver une femme et un enfant. C'est un roman qui a été écrit pendant les attentats terroristes. Donc il est beaucoup question, et pendant les manifestations en France, il est beaucoup question donc des foules, de la rue, des mouvements de rue, des manifestations. Étant confiné, je me suis dit on va parler de la rue et de la foule. Voilà, donc cet extrait, c'est au moment où mon personnage avec un gamin, ils se rendent à une manifestation, tout au moins ils traversent une manifestation. Voilà, ça commence quand le gamin lui demande pourquoi tu as arrêté le photojournalisme? J'en avais marre de voyager. Il rigole. Que penses-tu qu'on devrait faire dans ce métier, Arsène? Dire la vérité? La vérité? Regarde autour de toi, que vois-tu? Des gens en colère? Il filme la manifestation sans toucher au zoom. Il a raison. Dans la vie, on n'est pas sans cesse rapproché du regard des autres. On arrive à l'endroit où la manifestation tourne vers Castellane. Il y a des autocollants rouges et blancs partout. Des mères gitanes qui se radinent avec leurs gobelets, suivies par leurs mioches, dont certains hagards se sont collés sur le t-shirt pouilleux un autocollant, avec écrit « Sans moi, pas de service public ». Et je dévisage les manifestants qui s'approchent des cordons de CRS, le regard dur, les yeux brillants. Je reconnais la détermination, cet état de vertige où l'on n'appartient à personne, ni à soi, ni à ceux que l'on combat. La foule, Arsène. Et la mission la plus délicate des journalistes, c'est de savoir écouter les foules qui occupent l'espace public. Je force l'école de la foule, je force l'écorce de la foule en jouant des coudes, sans m'assurer qu'il est sur mes talons. On a beau chercher le noyau, le centre de gravité est introuvable. La foule me fait penser que le monde est une cage ouverte, où davantage de gens essayent de pénétrer plutôt que de sortir. Entrer dans la foule, c'est presque un acte de dilution. C'est aller transpirer sous les bras des autres. Tu es là, au milieu, tu es seul. Le mec qui a inventé la foule et le mec qui a inventé la cabine d'essayage devaient avoir la même peur des regards. La foule t'arrache à tout ce qui est programmable et tu t'en tiens alors à l'accidentel, à ce qui pourrait t'arriver, mais ta vigilance n'est pas nécessaire. La foule voit et ressent pour toi. Les foules sont compactes, denses, puissantes, mais seules. Une foule n'est pas heureuse. La foule réunit des contemplatifs, tu y es anonyme parce que le contemplatif, s'il est visionnaire, il ne te voit pas dans une foule, il ne voit que l'esprit de la masse. On vit une époque de perpétuelle destitution individuelle, dans la famille, dans le boulot, on dégringole et on n'est plus rien très vite. La foule est le lieu où on peut vivre avec nos destitutions et celles des autres. C'est à partir de ces défaites que les aspirations des gens convergent. La foule porte des promesses, celles de transformer ces défaites en possibles victoires. C'est pour ça que les terroristes la visent. En même temps, tu es dans la foule pour exister. Elle est ta contradiction, c'est ton quart d'heure de célébrité, une célébrité de groupe partagée, comme il existe la sexualité de groupe. La foule te happe, de Maïden à Tahir, de Taksim à Répu. La foule redevient la narratrice et la vraie actrice de l'histoire. Elle est parfois martyre. Elle sait aussi tenir son rôle de bourreau et de tortionnaire. Elle est chargée de libido avec son parfum animal, comme à Cologne, cette fameuse nuit de réveillon. Elle est alors pleine de mains, des centaines de mains qui ont palpé tant de seins, de culs, de ces femmes prises dans ses filets. La foule, c'est la gueule du loup, tu la sens, tu la devines, tu l'éprouves, la profondeur des foules. Tu la sens, tu la devines, tu l'éprouves, la profondeur des foules, à sa densité, à sa force et à son intelligence tactique et émotionnelle. Quand on se bat dans la foule avec Paolo et les autres, on devient des sculpteurs de foule. C'est la seule qualité que trouve Mo à nos fights. On est comme 100 pétards qui, selon les endroits où ils explosent, créent des formes mouvantes que tu peux diriger et scénographier. Tu peux créer des grappes et des rassemblements, tout comme tu peux disperser et isoler. Voilà. Merci.